Mesdames, messieurs, bonsoir, je suis Yakora, j'espère que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve enfin pour la vidéo des Shining de la SHTC. Alors, pourquoi avoir mis autant de temps? Parce que, enfin, vous savez que d'habitude, je trouve au Shiny, je fais le montage, la vidéo est un peu haute dans la semaine. Là, c'est vrai que ça a été un peu plus long, parce que, à l'heure actuelle, nous sommes le 30 septembre. Ouais, le 30 septembre. Et le truc, c'est que la première vidéo date du 2 juillet. Voilà. Donc, le problème, c'est que j'ai eu beaucoup de shiny, j'avais pas envie de faire du montage, j'avais envie de continuer à tryhard. Et c'est ce que j'ai fait, je suis très content du nombre de shiny que j'ai eu. Alors, j'ai pas fait un nombre de rencontres exceptionnel, mais comme j'ai énormément chatté, c'est pas grave. J'étais sur pas mal de consoles. Enfin bref, je suis content de mon tryhard pour cet SHTC. Je suis moins content de certains shiny parce que j'ai pas mal d'indésirables, mais c'est pas grave. Et bah, j'ai pas grand chose à dire de plus. Hein. Globalement, je dis tout dans les vidéos, donc je vous laisse avec les vidéos. N'hésitez pas juste à aller check la description parce que vous avez les time codes des vidéos, vous avez enfin quelques précisions sur les shiny, je ne sais pas encore exactement ce que je vais mettre. Du coup, allez check la description. C'était Yakora, tchuss! Alors, bonjour, c'est Yakora. Alors, les gens, vous allez pas me croire, ça c'est mon 25e Shiny, cette merde! Putain! En gros, je vous explique. J'étais en train de reset up mes chasses. Donc là, j'avance. Je suis sur la route 224, j'allais revenir à Shinyin. Donc, à côté, j'étais en train de faire le truc intrigue parce que voilà. Donc, je continue un peu. Je fais quelques rencontres parce que je suis pas, parce que je suis obligé dans cette putain d'herbe de merde. Et là! Qu'est-ce que je vois? Cette putain de merde de Nato Shiny, c'est mort! Je le vois dans l'ombre en plus, je me dis, oh putain, il est Shiny, ce con. Et là, je le vois apparaître, je me dis, il n'y a pas les étoiles, avec un peu de chance. Avec un peu de chance. Et ce fils de pute, il y a ces étoiles qui apparaissent. Alors bon, on va mettre une boule de merde. Putain, en plus, j'ai même pas de boule pour lui. C'est nul, il va avoir une boule de merde. Si, la chrono, j'espère qu'il va rentrer dans la chrono. Au pire, je lui mettrai à soin. Là, on va mettre une boule de merde, j'ai pas de boule de merde. Je vais lancer une soin. Non, une soin c'est comme une normale. J'espère qu'il va sortir pour que vous voyez bien ce putain d'étoile. Il rentre. C'est un putain de shiny hasard. Et c'est mon 25e shiny, les bros. Vous vous rendez compte d'à quel point je suis en mode mais nique sa mère. C'est le premier shiny de cette putain de SHTC. Et c'est mon 25e shiny, c'est un shiny hasard. Il mérite même pas de respect. Je vais l'appeler Gros Piaf, c'est mort. Il mérite même pas de respect. Donc, vous doutez bien que je l'ai un peu mauvaise, hein. Du coup, bah écoutez, c'était un shiny le premier jour de SHTC, hein, comme d'habitude, on adore. Putain, Natu Shiny. Voilà, il y a l'étoile, il y a la soimbo, mais putain, je déteste ce Pokémon. Voilà, donc je suis le bienvenu au club des gens qui ont un shiny de merde en 25e, ou en 50e, etc. etc. Ça m'emmerde. Alors, c'est pas ma version, c'est une version, c'est pour ça que cette vidéo c'est Manu, c'est une version que j'ai achetée, et j'ai eu la flemme de la recommencer. Mais bon, du coup, je sais pas s'il va évoluer, faut que je vois le sprite de Xatu. Je sais pas à quoi il ressemble. Bah du coup, je vais upload la vidéo parce que c'est le 25e, mais ça aurait été un autre shiny hasard, n'importe lequel, je vous avoue que j'aurais été en mode nique sa mère. Oh, en vrai, ça va, il est beau. La soin lui va pas du tout, mais il est beau. Donc je vais le faire évoluer en exact. Bon, je vais le mettre dans ma... Dans mon équipe. Je regarde même pas la nature. Je l'ai pas respecté, je l'ai appelé Gros Piaf parce que c'est de la merde. C'est de la grosse daube. Non, mais par contre, je sais pas à quoi il ressemble sur... sur AGSS. Enfin, il est où le dossier des strikes 4G sur AGSS. Sur Platine, je veux dire. Ouais, non, il est joli, je vais le faire évoluer. Bon, je vais demander les paris nature. Donc attendez, j'ai Kassou qui parie pressé. Donc Ronald parie modeste, je sais quel qui parie foufou, je sais que Nobody parie gentil, je sais que Paki parie jovial, je connais pas les paris des autres gens. Il est assuré. Donc voilà, au moins j'aurai un synchro de luxe. Allez, on va aller faire une rencontre. C'est tout.
Voilà. Un shiny hasard, je vois dans l'ombre, bordel. C'est quoi l'intérêt? Bon, vu que c'est une version full hackée, parce que je sais pas, genre la version je l'ai trouvé full hackée. Donc bon, écoutez. Je vais pas me faire chier. J'ai même pas envie de l'entraîner, donc il va évoluer, puis voilà. Allez, voilà. Voilà, il est joli, mais en 25ème, je voulais un truc spécial. Enfin, je peux me dire que c'est un hasard et que du coup, j'ai un truc spécial. Mais ça me fait chier de pas avoir Shining ou quoi. Enfin bref, je ferai Shining pour le 30ème, ou le 40ème, ou le 35ème, ou je sais pas. Mais bon, c'est des points pour les SHTC, et puis je vais pouvoir me mettre en sextube, du coup, c'est ça l'avantage. Allez, des bisous à vous, bonne chance. N'ayez pas des Shining hasard en 25ème, c'est très chiant. Et moi, je vais décider ce que je fais sur mes versions 4G, de toutes mes versions. Et je vais décider des chasses que je vais faire pour la SHTC parce que je vais faire du x6. Allez, des bisous. Mesdames, messieurs, bonsoir, je suis Yakura. J'espère que vous vous portez bien. Nouveau shiny, voilà, rose bouton, des points SHTC, des points comment dire? C'était ma cible, j'ai fait 1160 rencontres. J'étais en sextuple, c'est-à-dire que là j'avais Grand Chamaïd qui comptait pas pour la BGL, mais c'est Grand. Là j'avais Chilton qui pouvait potentiellement compter pour la BGL si ça tombait sur un petit plant. Là, du double cabriolet. Et là, vous voyez pas, mais c'est ce qu'on appelle Blizzy. Donc je vous ai dit, Badou, 1160 rencontres, enfin 1160 Pokémon vus. Je pense que je mettrais du coup. Ouais, 580. Je pense que je mettrais 580 x 2 sur la card. Alors. Déjà, faut jouer HKO le Vénard. Ça, c'est très important, faut HKO le Vénard. Bon, avec un Chimpanfreu level 31, je pense que le Vénard, il va prendre cher, là. Voilà, déjà, le Vénard, il est mort. Ça, déjà, c'est important. Bon, je regardais une vidéo d'un 2-3 lunatique, tout ça, voilà. Donc, maintenant, on tue Armulis. Je vais fermer les autres consoles, by the way, hein, parce que sinon, ça va prendre de la place pour rien. Par contre, je sais pas ce que je vais faire à la place, moi, là. Faut que je trouve une chasse de type plante à faire... par rencontre sur diamant ou sur une version 3G, je sais pas. Donc maintenant, j'ai rien pour l'affaiblir, je prends pas de risque, donc on va lancer des soins boules et on va mettre le son, by the way. Capturer première boule, il évoluera pas parce que je ferai cette chasse dans le Shiny Quest, comment il s'appelle, dans le Shiny Quest de ma version. Perle, pas le temps de lui donner un surnom parce que c'est SHTC, faut chasser, MDR. Voilà, hein, il est bien shiny, vous voyez, c'est tout. Donc voilà, deuxième shiny des SHTC en 2 jours. Non, en 3 jours, d'accord, j'exagère, 3 jours. J'ai un peu travaillé d'aujourd'hui, mais bon, c'est pas dégueulasse non plus. Enfin, c'est pas un truc de porc non plus. Puis voilà, j'ai rien de plus à dire. Ah putain, j'ai pas fait épargne nature. J'ai eu la flemme de faire épargne nature, il est mauvais. Voilà. Donc, il est shiny, il va prendre poison, tout ça. Je peux rien dire d'autre parce que voilà. Donc on va sortir, on va aller. Non, on va pas sortir, on va faire des rencontres avec. Ah bah apparemment mauvais, c'est une nature de merde. Bon, on fait 2-3 rencontres. Faut que je sauvegarde aussi. J'oublie tout le temps, c'est important de sauvegarder. Voilà. Allez. Des points pour la SHTC. On est à 4 points parce que Ronax il a trouvé un shiny, mais ce PD, bah, il avait changé l'heure. Enfin la date. C'est-à-dire qu'on était en 2035 pour lui. Donc comment dire que 2035, bah c'est pas ouf quand on est en 2018 et qu'on est le 4 juillet. Voilà, parce que oui, je vous le dis, on est le 4 juillet. Ça, j'ai 2 vidéos de retard, mais je peux pas les sortir parce que j'ai eu la flemme de finir l'intro. Donc voilà. Et puis des bisous, bonne chance dans vos chasses et au revoir. Et je fais pas de live parce que bah. Il y a une console qui est pétée et l'autre où je chasse sur l'écran du bas. Donc ce serait chaud de faire du live. Puis en plus faire du live en sextuple, bon, ça me gênerait un peu pour cette obsession. Donc voilà, ça fait des points pour la BGL, des points pour la SRT, des points pour... Non pas pour la SRT, des points pour la BGL, des points pour la SHTC, des points pour l'Indir. Et c'est tout. Bah c'est déjà ça. Donc des points. Toujours. Très, très important. Non parce que bon, voilà, le sextuple, putain, ça trouve aujourd'hui. Enfin ça se trouve en ce moment, je pense que j'ai pas mal de luck là.
Allez, pas le temps de naiser, faut que je retourne chasser. Donc des bisous, bonne chance dans vos chasses, et on se retrouve dans 2 jours pour un prochain Shiny. Bye. C'était Yakora. Bonjour, Shiny SHTC. Alors je suis en vocal avec des gens, donc Katel, Linkswork, Herostar, et je crois que c'est tout, y'a qui d'autre? Ah, y'a Max. Et bonjour Guige, je viens de trouver un Shiny, comment te portes-tu Guige? Donc, il compte pour la BGL, il compte pour la SHTC, c'est Pifeuille, blablabla. Allez. Je le fauche. Bah non, je suis pas en stream, j'ai même pas eu la réac. Parce que le record... Non mais attends. Non mais attends, le record s'est coupé juste avant que le Shiny apparaisse, c'est chiant. Ça m'était déjà arrivé pour... Ça m'était déjà arrivé pour Ramolos, c'est relou. Allez, voilà. Pifeuille est fauché, donc est-ce que j'ai une ball pour lui? Je dois avoir des honneurs. Non, j'ai pas de connard. Non, j'ai pas d'honneur. Bon bah je vais le capturer à la chrono les gars. Allez, capturer première ball. Alors est-ce que j'ai dit le nombre de rencontres? Je suis pas sûr. 851. C'est totalement putain d'irrespectueux. C'était pas ma cible, mais c'est pas grave. Ah oui, il y a la transition, c'est vrai. J'ai pas de surnom pour lui. Bon, je lui en donnerai un plus tard. Sauf Lynx. Donc on va sauvegarder. Je sais pas, j'ai pas regardé. Non mais je vais vous dire. Blablabla, c'est un mal. Bah faut déjà y aller au PC moi hein, pour le voir. Donc je vais demander les paris nature. Quoi? Non mais si, mais faut déjà aller au PC dans ma version, tu vois. Donc, les paris nature. Alors, Avapi Paris solo, personne Paris Hardy, Bikini Paris, enfin Becky Paris discret, Grimmswork Paris Hardy, Katel tu m'as dit quoi? Katel Paris pressé, Hero, t'avais parié ou pas? Hero Paris rigide, qu'est-ce qui est parié sérieux? C'était Max je crois. Ok, donc Paris nature Max. Max Paris lâche. Newmat Paris Hardy, Ja Paris naïf, Je Paris timide, Ronax Paris modeste, Nobody Paris gentil, comment il s'appelle l'autre pute, Alti Paris foufou, et il est lâche, GG Max. Voilà, re sur la vidéo, j'ai changé de console, donc on va aller le montrer dans une ou deux rencontres, hein. Mais on sait tous Lynx que c'est toi qui as plus de seins. Ouais, dont 100 kilos de seins. Alors même griffe normal, pifeuille chromatique. Non mais là je le fais exprès de dire chromatique. Même granitio normal, pifeuille chiné. Mais non, j'ai la photo gros, si tu veux. Lynx, va voir sur SH, j'ai mis la photo en plus. Bah ouais. Bon allez. Je vais arrêter de faire des rencontres pour la forme, pour la vidéo. Du coup, les gens de la vidéo, je vous fais des gros bisous. La bise sur le pétou. Et voilà, mangez les boucles de Max, c'est très important. Et surtout, ne trouvez pas de Shiny parce qu'on va win les HTC. Des bisous YouTube et bonne chance dans vos chasses. Bonjour, Shiny. J'étais en sextuple. Et puis, c'est tombé sur cette recherche-là. Attendez, faut que je trouve ce putain de nombre de points. Blablabla, 274 rencontres, MDR. J'étais devant stream de Monsieur Angus. Et du coup, Zig Zazon Shiny, je l'ai vu dans l'ombre, ce fils de pute. Donc, c'est mon premier Zig. J'en avoir beaucoup. Donc, on va peut-être faire fauchage. Hein. Du coup, je vais le capturer à la chrono comme petit feuille. Il est à 30%, je vais m'en taper 43. Hein. Allez, chrono, tout ça, j'ai pas de surnom, comme d'habitude. Non, j'ai pas de surnom, il va au PC, on sauvegarde. Attends, allez, je mets juste en pot, je mets juste l'appareil là. Donc comment dire? Je vais demander par nature. Donc, Crazy Mikui à Paris bizarre, Peru Paris relax, Ronax Paris modeste, Majdana Paris timide, Atonner Paris malin, Ja Paris naïf, Nobody Paris gentil, Altif Paris foufou, Angus m'a dit prudent, Je parie timide. Et donc... Attendez, j'attends les paris nature sur SH et je vous dis ça.
Dava parie rigide, Newmat parie hardy. Donc bref, du coup je vous explique un petit peu, chasser Roselia sur cette zone. Donc Ava parie timide. Donc ouais, je vais chasser Roselia sur cette zone. Il est à... Attendez. Attendez, faut que je vous dise ça. Je sais pas combien il est. Il doit être... Roselia doit être à 30% à peu près. Il y a du Mysterve aussi. Puis à côté, il y a des trucs cool comme... putain, ça c'est à cause de nous. Comme Michel, Univol, Maril. Et il y a 30% de Zigzaton. Donc, il est... Il est jovial. Voilà. Il y a un ramassage, j'aurai un ramasseur shiny maintenant. Je l'ai vu dans l'ombre, les bros. C'est de faire un putain de focus, mais c'est pas simple. Je suis un putain d'écran de vue bas de merde. Donc voilà. Je change de console. Et on se retrouve. Voilà, on se retrouve sur la bonne console. Et on va du coup aller faire une petite rencontre avec ce Zigzaton MDR. Tellement de shiny chez Iacora sur cette version Ruby, putain. Faisons une rencontre. Voilà. Donc c'était un Zigzaton totalement shiny. En un très petit chiffre. C'est mon plus petit chiffre. On adore les compètes. C'est-à-dire que je tryhard pour trouver un shiny. Tout ça, tout ça. C'est Ruby qui a trouvé le plus pour le moment parce qu'elle a trouvé deux shiny. Si on trouve un Zigzaton, il y a 30%, ça devrait pas être trop compliqué. Du coup, je vais vous donner les pourcentages. Désolé. Je vais vous donner les pourcentages. Alors, Ruby, Zigzaton normal, Zigzaton shiny, c'est le premier G, ça fait très chier, mais pas grave. Alors, je vous dis, on a 30% de Zigzaton, 30% de Zorlage, 10% de Marie, 10% de Mitam, 10% de Univol, 1% de Michel et 1% d'Aral, de très simple Zigzaton, et évidemment, c'est ça, Zigzaton. Donc, bah j'ai un truc à dire parce que c'est la FHTC et que j'ai pas le temps de dire des trucs, vous voyez. Faut que je chasse, donc bah on va reprendre, on va repartir sur une phase 2, hein. Parce que voilà, tout ce que je peux faire. Du coup, des bisous à vous, chassez bien, et on se retrouve dans 2 ans et demi. Au revoir. Alors mesdames, messieurs, bonsoir. Je suis quoi, je suis en PLS, parce que je suis dans un setup de merde. J'ai chassé un tout petit peu juste aujourd'hui. J'ai regardé un peu mon chiffre, je sais, donc j'ai appris que j'étais à 2614. Je suis monté jusqu'à 2700, je suis allé me laver. Sur Cabriolet, je parle. Hein. Parce que oui, c'est sur Cabriolet que c'est tombé. Donc j'ai fait, là je viens de faire 2 rencontres, depuis dire que la chasse, et Cabriolet Shiny. Genre, comme ça. Du coup ça rajoute des points pour les Dinadotes, encore. Et voilà. Donc vidéo à l'arrache comme d'habitude hein, pour les HTC, mais voilà, j'y peux rien. Donc je vous dis que je suis à 2702. Alors à côté je suis à Paras, je suis sur Paras et je suis sur comment il s'appelle, Castoran. Donc voilà, c'est le bordel. Donc on va prendre le faucheur. Alors attendez, oui, je coupe juste le temps. Là j'ai lancé la vidéo à l'arrache. Je coupe juste le temps d'avoir une vidéo potable. Alors, donc on va envoyer Scorpion. Alors je l'ai vu dès qu'il est arrivé, genre. Je l'ai vu, voilà. Alors je suis très content parce que c'était ma cible, donc ça fait des points pour la SHTC, ça fait des points pour la BGL. Par contre, je sais pas du tout ce que je vais pouvoir mettre sur cette console à la place. Mais genre, ça tombe beaucoup trop. Puis cette chatte en 4096. Je rappelle que pour le moment, en 4096, j'ai dépassé qu'une fois les probas et j'ai toujours pas terminé la chasse par contre. C'est crabagard sur ma version soleil. Bon, je vais tenter de le capturer là au nord parce que. Ouais, la Pébo, il veut pas vraiment en fait. Donc je vais tenter de le capturer là au nord. Donc c'est ma version. Si je ne m'abuse. Bon voilà, première boule comme d'hab. Du coup, je vous ai dit 2702. Je vais juste me dépêcher de sauvegarder parce que cette console, j'ai pas de surnom pour lui pour le moment, mais on verra plus tard. Donc c'était ma cible, c'était un 45% si je ne m'abuse. Je sauvegarde tout de suite parce que je n'ai plus confiance en cette console depuis très longtemps. Attendez, je note juste parce que là, bah, j'ai pas Eclipse, j'ai rien, donc je suis obligé de noter sur une vieille feuille. Je compte avec une calculatrice et tout. Alors, j'ai la flemme de faire Reaper. Enfin, je peux pas faire Reaper nature vu que je suis en Angleterre, comme je vous ai dit. Donc voilà. Il est bien shiny, tout ça, et il est malin. Donc attendez, il est 22h39 en Angleterre, ce qui fait qu'il doit être, bah, qu'il est 23h39 en France. Je sais pas ce qu'il faut comme photo du résumé, donc je vais demander à Ronak de me dire ça. Donc voilà,
Il est franchement cool. J'ai pas de surnom pour lui parce que, genre, j'avoue, j'ai pas réfléchi du tout. J'en trouverai un parce que, voilà, c'est Cabriolène. Et que Cabriolène, bah, c'est Valet, quoi. Genre, il change tellement. Genre, il y a tellement rien à voir avec le Pokémon de base. Du coup, bah, on va regarder les différences dans le deck. Et on va mettre Shiny dans le deck, d'ailleurs. Du coup, voilà, je vais setup Cerebou. Puis voilà. Allez. Des bisous, bonne chance dans vos chasses, tout ça. On va se laisser sur un petit visuel du shiny quand même. Voilà. Et n'oubliez pas que les shiny c'est important et que gagner le SHTC c'est cool. Allez, bonne chance à vous. Dans vos chasses, évidemment. Hein, parce que dans la vie, je m'en bats les couilles. Bonjour, encore un shiny. Alors bon, c'est top de gros pour derrière, mais voilà. Du coup, j'étais en double seulement parce que bah en fait je voulais arrondir mes rencontres en attendant, je voulais faire passer le temps parce que sur cette version là, enfin sur cette console là, je voulais préparer Cerebou sur diamant, mais pour ça il faut que je fasse passer du temps, enfin et du coup je chassais pour faire passer le temps, donc je chassais tranquille et là donc j'arrive à 2450 rencontres sur Glizzy et je trouve, donc je vois un peu dans le monde, je me dis il est bizarre et il est shiny, donc voilà. Il est pas vraiment coupable hein, quand même. Bon ouais, comme je vous ai dit, je suis à 2450 sur Blizzy, enfin sur la phase 1 du coup parce que je fais une phase 2. C'est une boule console comme support. Bon voilà, alors, est-ce que j'ai une boule qui pourrait passer pour lui? Déjà j'ai un faucheur sur moi normalement. Genre lui. Voilà. Ça fait des shiny, c'est cool. Putain, non mais en vrai, je trouve beaucoup trop. J'ai trop beaucoup trop de chat. Beaucoup trop. Ah, humain. Donc il est 23h36 en Angleterre. Donc il est minuit 35 en France. Voilà, comme ça vous voyez les petites étoiles. Oh putain, faut prendre une photo. Rentre pas dans la boule. Rentre pas dans cette boule. Putain, il est rentré. Oh, ça va être chiant. Oh, ça va être chiant de prendre une photo. Non, c'est pas grave. Je vais me démerder. Est-ce que j'ai un surnom pour lui? Bah, bien évidemment que non, c'est un shiny. Pourquoi je donnerais un surnom à un shiny? Oui. Oh, putain, il manque PC. Oh, c'est chiant. Bon, je vais sauvegarder et puis du coup, je resetterai ici pour avoir. Pour retourner là. Parce que c'est trop chiant de changer de zone ici. C'est surtout chiant de revenir ici, donc voilà. Il est bien shiny, bah voilà, c'est des hauts de merde là, mais c'est pas grave. Il est brave, je crois qu'on a dit. Il est brave, ouais. Putain, je vous jure, si j'étais tombé sur Marc à Crin shiny. Oh, en vrai, c'est cool cette zone, il y a des marques à Marc à Crin à peu près à 100% sur... LGSS. Donc non. Il se voit pas de dos. De face, il se voyait pas mal, son bec change vraiment énormément, donc ça se voit bien. Je vais peut-être retirer cette lumière là. J'aime peut-être un petit peu. Je sais pas. J'arrive pas à savoir. Bon. De toute façon, on va arrêter la vidéo là, donc voilà. Des bisous, trouver des shiny, mais pas trop, parce que on veut win les SHTC quand même. On est bien parti, étant donné que j'ai déjà trouvé 3 shiny cette semaine. Hein, et que je peux toujours en trouver encore. Eh, hey, mais je me rends compte que j'ai pas compté la rencontre en fait. Bref. Donc bonjour, mesdames, messieurs, bonsoir, je suis Diakora, blablabla. J'ai fait un trip. Parce que je sais pas, parce que Cerebou c'est assez chou à me marier avec d'autres recherches, du coup j'étais en triplet. Et donc je faisais Cerebou avec à côté Blizzy et Paras, même si je suis rentré en Angleterre, tout ça. Et donc j'étais à 1856 sur Cerebou, 1877 sur... Enfin je venais de lancer la 1877ème rencontre sur Blizzy, et j'étais à 1776 sur Paras et je n'ai toujours pas fait la rencontre. Bref. Donc... Je l'ai vu dans l'ombre, il flash, il est magnifique. Alors, je suis d'accord avec Ronax qui dit que c'est le plus beau des deux, la femelle, et effectivement, pour le coup,
je préfère vraiment la femelle, comme pour Moyad d'ailleurs. Donc voilà, comme je vous ai dit, 1877 rencontres, et c'est un Blizzy Shiny. Alors je vais retirer le scotch entre ces deux consoles là et on va rapprocher. Ah. Attendez, je coupe et je reviens avec une qualité plus, plus appréciable. Voilà, alors je faisais pas de live parce que bah mon appareil photo avec plus de batterie, c'était un setup trop galère, etc. Donc je vais le capturer. Alors normalement pour lui, on avait dit la Honor, je crois bien. Donc je suis pas sûr. Ouais, c'est ça, j'avais farmé Honor pour lui. Ah, pour une fois, il ne rentre pas dans la première boule, donc on voit ses étoiles. Il est vraiment magnifique. Franchement, je suis très content de ce... Je suis très content de ce génie. Eh, mais je suis con, pourquoi je le fauche pas, moi? Il est où, par chaque fois qu'il est là? Wait. Y aller. Attendez 15 secondes. J'ai un problème. Pourquoi il a pris des dégâts? Pourquoi il a pris des dégâts? Attaque, 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 attaque. Deux niveaux. Génération 4. Pas remonter de niveau. Bon. Il est au niveau 40. Niveau sur platine. Donc là il a racine, marteau bois. Non. Il a brume, éclat glace, racine et marteau bois. C'est marteau bois qui a les... qui a le recul, je crois. Oh putain de merde, il y a marteau bois. Je peux pas le faucher. Vous allez voir, il va rentrer dans la dernière Honor et on va... Et je vais être en mode ok, c'est tranquille. Ah bah voilà. Enfin, dans l'avant-dernière du coup. Il est beau, bordel, le Shiny Dex. Est-ce que j'ai un surnom pour lui? Évidemment que non. Pourquoi j'aurais des surnoms pour des shiny? C'est pas important d'avoir des surnoms pour le shiny, je trouve. Après, je sais pas. C'est le mec. Le mec qui s'en bat totalement les couilles. Allez. Oh putain, il y a dans le PC. De toute façon, je m'en fous, je suis une archer. Je vais peut-être sauvegarder avant de le chercher. Des fois, j'ai un problème ou quoi. Depuis Watt, j'ai plus confiance en mes consoles. Alors, les pareilles nature.
Voilà. Donc, Ronax paraît modeste, Acti paraît foufou, Jean paraît naïf, Pyrax paraît rigide, Necros et Nobody paraît gentil. Et je crois que c'est tout ce que j'ai eu, ouais c'est tout. Ouais, je parie timide. Et il y a personne qui parie solo et il est malin. Personne, c'est quelqu'un qui a pour pseudo personne. Hein. Ah, apparemment malin c'est nul à chier. Et je m'en bats les couilles. On va peut-être le prendre dans l'équipe du coup. Alors après ce que j'ai prévu c'est quoi déjà? Je crois qu'après j'ai prévu un truc genre... De base je me disais que je pourrais faire un autre truc mais genre... Il est beau. Bon, de dos pas trop, mais de face il était magnifique quoi. Du coup je pourrais faire qui moi? Bah de base je voulais faire Grignote, mais je sais pas en fait. Mais pourquoi pas. Bon allez, on va sauvegarder et je pense que je vais faire Grignote du coup. De toute façon Grignote je reprendrai aussi en même temps sur Diamant à côté. Quand j'aurai fini Terrible. Après j'ai la chasse aux éoliennes aussi. Du coup je sais pas si je vais le faire évoluer, mais je pense que oui. Et du coup je vais le faire évoluer maintenant d'ailleurs. Au pire je ferai une évoluée. Enfin au pire je fais une évoluée avec, je sais pas. Où sont mes super bons? Oh ouais voilà, on se retrouve pour bourrer de vie, super bon. Et s'il est moche, je ferai une Evo Reset. Voilà. Putain, il est beau quand même. Eh, je vais le laisser en bizarrois. Je vais le laisser en bizarrois. Donc, et bah voilà. Bonne chance à vous dans vos chasses. Faites des belles chasses, trouvez des beaux shiny comme Blizzy. Et à une prochaine fois. Parce que bisous. Voilà, c'était hier, au revoir. Blablabla, IA, il chatte beaucoup trop, tout ça, oui. Série Bouchani, 3210 reset, tout ça, je faisais du trip, comme d'habitude. C'est honteux. Même pas le la peine de faucher. Je sais pas s'il va évoluer. Je vais faire un niveau reset je pense. Première boule, ça fait des points pour la SRT parce que c'est un gimmick. J'avais peur qu'il flash pas, mais en fait il flash énormément. Donc voilà, c'est cool. C'est ma première recherche par Rami, c'est un truc vraiment très appréciable, je pense que je vais en refaire. De la rencontre, mais c'est pas grave, j'ai la vidéo. Donc, voilà, blablabla. Alors, j'ai pas de pari nature, mais je sais qu'elle qui paraît foufou. Enfin j'ai deux paris nature, mais voilà, c'est des paris que je connais. Le petit pari foufou, on a ce pari modeste. Je vais demander vite sécher. Il y a vous qui parie brave. Et donc, ouais, Alti pari foufou, on a ce pari modeste. Je sais que Nobody parie gentil. Bloom parie brave. Zarba parie réa solo. Ah, je vais avoir un pari nature ici. Je connais pas les pari nature des autres. Donc, je vais laisser tomber. D'accord, donc j'ai pas de pari nature de personne. Et il est lâche. Ah oui, je parie timide aussi, mais voilà. Donc, on sauvegarde. Et on va faire une petite Evo Reset. Je sais même pas comment il est voulu, ça se trouve il est voulu par bonheur et je peux pas faire une Evo Reset. On va check ça tout de suite. Ouais, niveau 25 donc il va évoluer. Alors j'ai fait une erreur, j'ai juste oublié de... Enfin j'ai juste dit non quand il a voulu apprendre des limites, mais bon, c'est pas trop grave. En vrai je pense que je vais pas le faire évoluer parce que je crois que la Honor va pas si bien que ça à Seriflore. Au pire j'en chasserai un parce que franchement... Alors ouais, il est magnifique. Et la Honor lui va en fait. Et on lui va, je crois que on lui va dans ses deux formes. Je peux pas trop profiter des shiny alors que je trouve autant quoi. C'est le problème. Enfin bref. Au revoir, bonne chance pour la je sais pas combien de deuxième fois vu que je fais une vidéo, une seule vidéo pour tous les shiny de SHTC. Et au revoir.
Mesdames, messieurs, bonsoir, je suis Yakora, j'espère que vous vous portez bien. J'étais en quadruple parce que j'avais la flemme d'utiliser l'ODS. Et en gros, voilà, Marie Chromatique sur Ruby. Alors cette version Ruby est beaucoup trop chatos, 656, je ne comprends pas. Donc je coupe la vidéo le temps de faire une vidéo propre et on se retrouve tout de suite après. Voilà, ça y est. Donc Marie Shiny, je vous ai dit 656 rencontres. Alors j'avais déjà prévu de le chasser par surf, mais du coup je ne ferai pas cette chasse. Puis voilà, alors je suis désolé, la caméra tremble un peu parce que je suis sur l'écran du bas. Donc voilà. Est-ce qu'il me reste de honneur? Non, j'ai plus d'honneur, mais j'ai des chronos. Je sais pas quoi ressemble, je sais plus quoi ressemble à Silé sur. Non, Silé lui va pas. Sur 3G. Ouais non, ça va être chrono. Hein. J'ai pas de surnom, il évoluera pas lui. Normalement Marie, je peux le faucher, y a pas de problème. Attendez, je pose l'appareil 15 secondes, du coup vous verrez pas la console, mais je vais le poser là sur la console de Paras. Eh mais non, parce qu'en fait, c'est pas 656. 657. Parce que j'avais pas encore incrémenté la rencontre. Voilà, bon, on va le faucher. Mais cette fois-ci, je me suis pas trompé, j'ai pas envoyé Chapignon. Putain, le focus veut pas se faire, c'est horrible. Il se voit tellement, je l'ai bien vu dans l'ombre. Ah oui, du coup, j'ai pas fait le récap des chasses que j'avais. Mais en gros, j'avais Paras sur la DS Lite noire. Une chasse où je m'en fous, en fait. Alors, c'est la route 210 de platine. Et je veux absolument tout sauf Racaillou. Donc il y a 50% de Ponyta, 10% de Megocric, 5% de Levenard, 5% de Monsieur Mime et 30% de Racaillou. De Monsieur Mime, de Mime Junior, je veux dire. Est-ce qu'il a un PV? Non, c'est pas grave, il n'est pas précisément un PV, mais ouais, de toute façon, là, la chrono va faire effet. J'hésite à me racheter une DS Tank. Enfin, une console en plus. Bon, on va se dépêcher de sauvegarder. Ah putain, oui, du coup, on a le Shiny Dex. Cool. J'ai pas de surnom, je trouverai des surnoms un jour ou l'autre. Du coup, c'est ma phase 2 sur la chasse de Roselia, mais vu que je fais plus la. Vu que la BGL est finie, je pense que je ne ferai pas de phase 3, ou en tout cas pas tout de suite. Et que je me contenterai de. Je me contenterai d'arrêter là et de faire une autre chasse que je voulais faire sur Ruby. Je sais pas encore quoi, je trouverai un truc. Parce que du coup, vu que j'ai fini. Vu que j'ai fini. Bah. Vu que la chasse que je voulais faire après, c'était Marie par surf. Et bah, ça va être non en fait. Mais Marie qui était à je crois 99%. Hein. Donc voilà. Alors, allons regarder le Shiny dans le PC de la pension. Bon, je ne comprends pas. Bref, c'est pas grave. Désolé, c'est un peu fou. De toute façon, je vais pas tarder à changer de. Je vais pas tarder à changer de. Ouais, je vais changer de console. On se retrouve juste après. Voilà, on se retrouve sur. Cet écran-ci, et donc j'ai eu quelques paris nature. Alors, donc du coup, en termes de paris nature, Tain paris mal poli, pardon, Ronax paris modeste, Allison paris mauvais, Dava paris solo, Alti paris foufou, Nobody paris gentil, Dabicorn paris naïf. Et je ne connais pas les paris nature des autres gens. Je sais que Valet parierait solo, que Dava parierait solo également. Et j'attends d'avoir un pari nature là pour vérifier. Ah non en fait. Et donc, il est malin. Les ogresses, hein, évidemment. Il n'allait pas avoir que force. Ce serait trop beau. Bon, c'est pas grave. Il est super beau, franchement. Beaucoup trop de shiny hein. Voilà, le SHTC c'est quand même assez facile je trouve, donc on va le prendre dans notre équipe. Nous allons faire quelques rencontres avec lui, pour ça nous allons retirer le Galéon qui se trouve ici, le déposer dans cette boîte-ci, un Roselia normal qui était censé être massif mais en fait je m'en fiche. Et un Marill chromatique qui est beaucoup trop beau. Bon,
Du coup, bah, j'ai rien plus à dire, donc je vais faire de la Bolt, et puis au revoir, et des bisous, trouvez bien, chassez bien, gagnez toujours pas les SHTC, je suis trop occupé à le faire, donc voilà. Non. 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 Je l'ai vu dans l'ombre. C'est le deuxième. C'est le deuxième. Putain. 2436. 2436. Phase 1 pour Dinabog. Au moins, je l'ai eu en live. Voilà. C'est le deuxième, putain. Il mérite pas de tuer. Ah, il est dans l'équipe, lui. Je peux pas faire de par nature parce que mon PC m'a lâché. Du coup, il paraît timide, je sais qu'on a pas le modèle, je sais quel qui paraît foufou, je sais que nobody paraît gentil, c'est tout ce que tu sais. Il est prudent, il est nul, il mérite pas de viseur, au revoir. Hello, alors juste j'explique vite fait les vidéos de Negapi et de Paras, donc j'ai été trouvé le même jour que Zigzaton. Je peux vous donner les chiffres, c'est-à-dire que c'est 290 pour Negapi et 6313 pour Paras, donc Negapi c'est la phase 2 pour Dynavolt. Et Paras, bah, c'était une chasse que j'avais commencé pendant la BGL, voilà, donc c'est deux recherches que j'avais eues en live, mais l'enregistrement est corrompu, donc j'ai plus la réaction et j'ai plus le début de la vidéo. Du coup, je me dis que c'est pas la peine de mettre juste la fin de la vidéo après la capture, etc. parce que je dis vraiment rien d'intéressant. Donc voilà. Donc, bah, je mets même pas de photo, mais c'est juste un petit record comme ça pour vous expliquer ce qui se passe. Normalement, vous avez eu une image avec les deux shiny juste avant. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, bah, on passe directement au shiny suivant qui est Tonix. Et après, il y aura plus Ponchio. Et la vidéo sera terminée. Donc, eh bien, des bisous à vous et encore désolé de ne pas être capable de vous donner les vidéos de ces deux shiny. Ça me fait chier, mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit. Des bisous, c'était Yakorachus.
Onyx Shiny, putain, oui. Enfin, ça faisait longtemps. Alors, il est Shiny. Enfin, c'est un Onyx, mais c'est pas grave, il est Shiny. Et il est beau, en vrai. Il est Swag. Il est Swag. C'est le moins pire de tous. Attendez. Au moins, c'est pas une assiette. Bon, alors, attendez. Eh, il est beaucoup... Il est beaucoup moins foncé que ce que je pensais. Alors attendez. On va se placer comme il faut. Parce que là avec la top de life c'était un setup très à l'arrache. Donc bon. Alors attendez, je vais trouver un autre moyen. Je peux pas là 15 secondes si on voit après. Non, toujours pas suffisant. Et là. Ah là c'est bien. Donc on va dézoomer un petit coup. Et hop là. Voilà. D'accord, donc là il y a Nobody qui dit qu'il veut être mentionné dans la vidéo. Alors, Onyx, il me semble qu'il a rien de dangereux. Faut que je check. Bon, fauchage, pas Draco Charge. J'ai pas de surnom, hein, évidemment. Pourquoi j'aurais un surnom pour une merde? Donc maintenant, qu'est-ce qui lui va à lui? Parce que ça, je sais pas du tout. Du coup. Ouais, la Feblo, ça lui va bien. Ouais. Blablabla, les données noniques ont été ajoutées au Pokédex, tout ça, il va aller dans la boîte parce que j'ai plus de place dans l'équipe, donc on sauvegarde et... Hop là. Alors, je vous donne le chiffre, j'avais pas le chiffre exact mais c'est sous la proba. 7879. Je le savais qu'il y aurait un Shiny aujourd'hui. Au moins ça fait des points à SHTC. Voilà, comme ça je vais regrouper tous les paris nature ici. Voilà. Ouais, on t'apprécie pas des masses, mais bon, on fait genre on t'aime bien. D'ailleurs, j'y pense, j'ai pas de boîte pour mes Shiny sur cette version. Alors, les paris nature. Ah oui, c'est vrai, du coup, c'est la version où je m'appelle Manu. Je parie timide, Karius parie brave, Nobody parie gentil, Ronax parie modeste, Flèche parie modeste, Alti parie foufou, Zarba parie solo. Il est naïf. Bon, on va prendre dans l'équipe et on va aller faire des rencontres avec. De quoi on se fout dans cette équipe? Toi, t'es de la merde. T'es de la pure daube. Au revoir. D'ailleurs, pour... Si Ronax, tu vois ça, sache que... Tu vois ce Pokémon? Bon, lui, il est bien. Par contre, c'est sous-évolution. Surtout Lixie, mais qu'est-ce qu'elle pue la merde? Oh, c'est moche. Je comprends pas comment on peut aimer ça. T'es d'accord avec moi, non? Je pense que j'ai dû sauvegarder, mais je suis pas sûr. Ponyta normal. Onyx Shiny. Eh, le back sprite est sympa. Rakayu normal. Onyx Shiny. Voilà. Bon. Je l'ai eu en live, c'est déjà ça. Faudrait que je vois la réaction. Bon. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu Shiny. Ça faisait plus d'une semaine. Et au moins, ça fait des points pour SHTC cette semaine parce que on n'a pas eu de points. C'est horrible. D'ailleurs, tant que j'y suis, je prends des trucs de la vidéo. Eh, je peux pas faire la déclare. Je pourrais pas faire la déclare. Remarque. Thank you.
Putain. C'est enfin fini cette chasse. Et enfin une petite phase. Ça fait du bien. Putain, oui. Bon, je l'ai vu dans l'ombre. Je l'ai vu sur la toute fin de l'ombre. Et voilà. Et écoutez, comme on dit, la boucle est bouclée. C'était le premier shiny de la chasse, c'est le dernier de la chasse. Puisque j'ai dit qu'après la phase 5, j'arrêtais. Et c'est le premier shiny sur ma DS Tank. Je pense à prendre une photo avec le téléphone et on se reprend pour la suite de la vidéo. Voilà, du coup on reprend la suite sur le téléphone parce que j'ai plus de place sur l'appareil photo. Alors, ça va être compliqué. Où il y a le faucheur, il est là. Et on est parti. Alors attendez, on va bouger un peu la console pour que le téléphone y voilà. Il est nul, c'est Ponchio, mais je m'en fous, c'est enfin fini. C'est un petit chiffre comparé aux autres phases. Et voilà. Il va rentrer dans une boule moche, mais on s'en fout. Allez, la chrono. Non, on va lancer 3 lux. Et après, on prendra. Et après, on commencera à balancer des chronos. Pour signifier la fin de la chasse. Ça se trouve, il va rentrer dans la première luxe. Totalement. Voilà. On s'en fout. C'est fini. Ça y est. Puis, il mérite pas de surnom. Voilà. Alors attendez, je fais une rencontre comme ça gratos parce que voilà. J'ai coupé les os sans faire exprès. Bon, c'est pas grave. Toi, on fuit. Et on va au centre. Putain. Je vous jure, ça me fait trop plaisir que ce soit enfin fini parce que. Voilà, ça y est, j'ai fini avec cette chasse. Je veux pas la continuer. Elle m'intéresse plus. J'ai trouvé une autre alternative à Ryu, donc voilà. Alors, c'est une très petite phase, franchement. Ça contraste. Enfin, c'est mes deux Ponchio qui sont. Ah, oui, je vais pas refaire la même erreur que pour Watt. Regardez, oui. Et donc du coup j'ai dit qu'après c'était moyade la chasse. Bon par contre, je coupe, je fais les paris nature et je re. Bon j'ai que 3 paris nature. Donc c'est discret pour Niralia, modeste pour Diamond et timide pour Avapi. Moi je parie timide. Ronax parie modeste, Alti parie fou, Nobody parie gentil. Et le mien il est. Timide. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était le 14e shiny de la SHTC. On continue sur des beaux pas ouf, mais ça passe. Puis. Je sais pas si j'ai dit le chiffre, mais 8270, si je ne m'abuse. 8270, c'est bien ça. Et du coup, voilà, il est moche. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Allez, au revoir. Alors, je vais juste conclure sur une petite précision. En fait, Ponchio ne sera pas dans la chaîne de cette chasse, puisque quand j'aurai la version noire 2, je ferai des phases avec donc une recherche qui s'affiche actuellement à l'écran, afin d'avoir plus de chances d'Oryu. Je ne sais plus exactement les pourcentages, mais voilà. Et donc avec des auras, c'est pour ça qu'il me faut une noire 2, et je ferai autant de phases qu'il faudra pour avoir Oryu. J'aurai 3 Oryu dans ma vie. Peut-être 4, je ne sais pas, mais je compte pas en faire un sur 6G, donc je pense que celui qui deviendra un méga Lucario, ce sera le Ryu de l'œuf d'Armand que je transférerai. Parce que le Ryu de Blando n'évoluera pas. Le Ryu de l'antre d'entraînement évoluera en Lucario. Mais peut-être que ce sera celui-là que je ferai évoluer, enfin que je transférerai pour qu'il soit méga Lucario sur la card. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Parce que remarque, ça paraîtrait un peu. Classe avec l'entre d'entraînement, je sais pas. Enfin bref, tout ça pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Des bisous à vous. Voilà, alors on est actuellement le 23 novembre. Ça fait beaucoup trop longtemps, mais c'est pas grave. Et bientôt, c'est la SHTC. Là, vous avez vu, le dernier shiny que vous avez vu, c'était le 41e, carrément le 38e.
Non, je dis ça parce qu'en fait j'ai regardé mes autres records, mais voilà, c'était le 38ème. Je suis actuellement à 49 shiny. Je suis en train de faire le 50ème. Qui est au baggy, hein, vous vous en doutez probablement. Et de toute façon, je l'ai déjà dit. Donc voilà, c'est. Cette SHTC était très intéressante. Et j'espère refaire une SHTC avec les mêmes personnes, avec la même hype que cette année. Mais voilà. Des bisous à vous, c'était Yakora. Tchuss et trouvez plein de shiny.